on a 92 personnes mobilisées. Donc ces 92 personnes sont organisées en trois quarts. Donc le premier quart commence à 7h, entre 7h et 15h. Le deuxième quart prend entre 15h et 23h. Et le dernier quart de la nuit qui entre 23h et 7h du matin. Nous demandons déjà aux patients savoir s'il a été en contact avec les personnes qui reviennent du voyage ou si lui-même il a effectué un voyage à l'étranger. Ensuite, nous avons un questionnaire dans lequel la personne nous décrit clairement les symptômes qu'elle manifeste. Ensuite, si ces symptômes s'avèrent être positifs ou alarmants, nous transférons le cas auprès d'un médecin spécialiste. C'est le spécialiste qui va décider des mesures sanitaires adaptées à cette personne. Alors, pour les mesures de protection, déjà, il y a des bus qui nous sont mis à notre disposition pour éviter que le personnel ne prenne les transports en commun. Ensuite, on a évité que les groupes de travail se croisent. Un groupe remplace un autre pour éviter les croisements. Une fois le téléconseiller arrive dans nos locaux, il y a déjà un gel hydroalcoolique qui est mis à disposition de tout le monde pour se désinfecter les mains. Ensuite, il y a l'obligation de désinfecter sa position de travail, c'est-à-dire son outil de travail, l'ordinateur, le micro et le casque. Je suis très fière de faire partie de cette campagne. La participation, elle n'est pas seulement nous qui sommes à travers derrière le téléphone. C'est à travers les gestes que nous faisons chaque jour, c'est-à-dire déjà bien mettre en place les moyens de prévention, faire attention à ce que nous faisons actuellement et aux messages que nous véhiculons également, parce que tout le monde est concerné dans cette lutte. Il est très important aujourd'hui de réaliser que le Covid-19, c'est une affaire de tous. Nous devons respecter les consignes mises en place, ne pas appeler le 14-10 rien que pour saturer la ligne, appeler vraiment en cas de nécessité, car nous avons des personnes derrière qui nous appellent et qui ont besoin d'une réelle prise en charge.